C'est une première pour les sapeurs-pompiers des Yvelines. La formation feu de forêt de niveau 3, destinée aux chefs de groupe, a été réalisée au mois de novembre en forêt de Rambouillet. Après une semaine de stage sur simulateur à Valabre, 12 stagiaires de la zone de défense Paris se sont retrouvés dans les Yvelines pour une semaine de formation pratique afin de parfaire les stratégies opérationnelles à la tactique spécifique des feux de forêt. Plusieurs formateurs de différents départements de la Grande Couronne ont encadré cette formation. À noter, un responsable pédagogique de Haute-Corse a également apporté son expertise afin de proposer une formation qui soit au plus proche de la réalité. Avec Milan, mais du coup j'avais ces deux-là, effectivement. Qu'est-ce qui passe les gars la prochaine? C'est qui le prochain? C'est Mathieu. C'est Mathieu qui va partir sur la prochaine. Moi je me mets au milieu, Pierre. Comment? Alors je me mets derrière même s'il faut. On est au niveau du pater. Du mot pater. Ouais, c'est ça. Rectificatif 190 à 50 km/h. 190 à 50. Non, vous retransmettrez l'info parce que vu la cinétique que j'ai, on va partir vite. Ouais. Bon, les conducteurs, vous vous mettez aux engins, comme ça on arrive de suite. Bien, chef. Jusqu'à maintenant, le risque feu de forêt était plutôt cantonné au sud de la France, même si le risque était déjà là. Mais voilà, le réchauffement climatique commence à avoir ses effets. On le voit aussi avec l'ONF qui est un de nos partenaires et qui voit les effets sur la forêt, qui devient de plus en plus sensible à ce risque-là. Les dernières canicules nous ont montré aussi que le feu de forêt devenait un risque beaucoup plus prégnant chez nous. On l'a vu sur Rochefort l'année dernière, on a fait encore un à Dainville cette année. Donc pour répondre à ce nouveau risque, on forme nos cadres à ce niveau de spécialité. Suite à de nombreux feux situés en zone géographique inhabituelle, le département des Yvelines se prépare à répondre à de nouveaux enjeux.